Il n'a pas boudé son plaisir. Emmanuel Macron aime les gens et ça se voit. Les services d'ordre de l'Élysée sont sur les dents, mais ils ne le savent pas encore. En Polynésie, on respecte les institutions et il ne viendrait à l'idée de personne de faire offense à un président de la République. Alors très vite, les barrières cèdent sous le poids de l'enthousiasme. 2000 personnes sont venues de tout Haïti pour une véritable ovation et peut-être aussi l'envie de démontrer qu'ici, on sait vivre. Le programme prévoit une visite protocolaire à la présidence. Édouard Fritsch l'a voulu très polynésienne, belle, joyeuse et assez simple. Pas plus d'une demi-heure, mais quelle demi-heure ! Des enfants, des femmes, des hommes, des générations qui se mélangent, qui montrent au président qu'ici aussi les questions d'âge n'ont pas d'importance et que l'on danse quand elle est le bon plaisir de tous. Emmanuel Macron est touché au cœur. Jamais je n'ai eu un accueil aussi émouvant. Et donc permettez-moi de vous remercier de commencer après notre cérémonie patriotique ce déplacement par ce moment si émouvant et de vous encourager ce faisant à poursuivre ici ce travail de culture, de tradition qui est essentiel, de continuer à l'enrichir, de continuer à le transmettre, parce qu'il est votre fierté, oserais-je vous le dire aujourd'hui, notre fierté. Merci pour cela, Maruru. Maruru. Merci beaucoup. La cérémonie d'accueil passe très vite et tous ont aimé montrer au président que la culture des Polynésiens est bien vivante et ils ont apprécié le réel intérêt manifesté par le premier des Français. Il est très sociable. Hein. Moi, je trouve que le président, il est bien. Moi, le personnage, hein, la personne, il est bien. C'est la première fois que nous, en tant qu'élève conservatoire, on l'accueille et puis en même temps pour lui montrer une marque de respect. C'est une personne qu'on peut s'approcher et lui parler. C'est quelqu'un d'extraordinaire. Quant aux plus jeunes, elles n'oublieront pas de sitôt qu'elles ont dansé dans un cadre magnifique devant des personnalités bienveillantes. C'était super et en fait, je me suis bien amusée sur la scène. Comment c'était de danser pour le président de la République ? C'est bien. Ça t'a impressionné ? Oui. J'ai bien dansé, c'était bien. J'ai stressé un petit peu, mais sinon, ça va. Un super souvenir. Voici ce qu'il restera de cette matinée. Édouard Fritsch a bien fait d'insister pour démontrer que même dans l'adversité, il faut savoir apprécier les jolis moments. L'information, on continue sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.